Petit Bouddha en sang. Pourquoi il est en sang, petit Bouddha? Qu'est-ce qu'il a, le pauvre petit Bouddha? On pourrait rester à des games passées. Oui, bien sûr. Ah non, non, tu peux pas. Enfin, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris la Tunisie. Ta question. J'ai mis tant de questions, oui. Ah, désolé. Désolé. Quand tu parles d'enregistrement, c'est que en live, quoi. Non, tu enregistres une de tes games et tu me l'envoies par mail. Y a pas de live. Mais bon, je vous expliquerai demain, ouais. Que je prépare mon truc, quoi. Salut Romain. Achetons les Yordles. Bon, en vrai, coffre trésor, c'est quasiment tout le temps ça quand tu sais pas comprendre. Hein. Ça donne toujours beaucoup d'argent, c'est trop bien. Ah, Lucienne. Bon, l'arc, on s'en serait peut-être passé, mais bon. Le Lucienne est plutôt excellent. Tu vois, en particulier pour les games. Je vous donnerai toutes les informations demain. Ok? Mais non, pour répondre. Et je ferai un tweet et tout avec les informations. Donc si c'est pas sur le stream, vous aurez sur mon tweet, quoi. J'ai quand même acheté le Warwick, je pense. Pour le coup. Corki. Merde, j'aurais peut-être pas dû voir la pop ici. Ouais, non, dans le dos, j'aurais pas dû. Le problème, c'est que j'ai pas les très bons stuff pour Lucian. Très bon stem, pardon. Le Corki est insane pour moi, il peut avoir Yordle et. Et Twinshot, du coup, évidemment, bien sûr. J'ai littéralement 100% des items pour Warwick Carry, mais bon. J'ai une bête de sortie à côté, ça me fait chier de me commit sur une compo reroll du coup, quoi. Mais ma sortie est absolument légendaire, on est d'accord. Ouais, j'ai regardé le guide du débutant de la chaîne Talk hier. Et aujourd'hui, je fais que monter de ladder aujourd'hui. Merci beaucoup, Talk. Zach en plus. Est-ce qu'il y a des mecs sur Warwick? Trop d'impression. Je vais mettre le stuff Warwick sur Lucian. C'est bon, c'est pas le but en manalès, tout va bien quoi. Faut toujours vérifier, les amis. Ce saloperie de but en manalès là. Et merci beaucoup, hello! Merci beaucoup, hello 911! Merci beaucoup. Vex? Oh la vache quoi. Oh, j'ai Trinda! Mais what? Attendez, est-ce que c'est pas déjà plus fort de rentrer ça, les trois là? Je crois que si, hein. Pas ça rapporte des PO, ça. Mais je crois que le swap est déjà meilleur, je crois. Attends, on en parle de ma sortie de fou là pour Warwick? Lui, il me bat, je pense, mais il me bat dans tous les cas de figure, à mon avis. J'ai une sortie de psychopathe là, comme on dit.
Après, mon Warwick il est beau gosse là, franchement. Ah, il se fait balancer par Singe. Ah, il se fait balancer sur Lucian, mais putain, il le faut qu'il se passe au con, quoi. Dommage. Voilà, rédemption insupportable du Singe 1. Pourquoi le Singe 1 il me tente autant là, bordel de queue. Allez, Warwick. Ah, mais il a plus qu'un tech second. Ah, Zach qui fait un bon ulti. Ouais, Zach, c'est bien joué ça, mon Zaki. Allez, mon Zako. Allez, mon Zako. Allez, Warwick. Allez, les patounes. Les patounes. Les coups de patounes. Les coups de patounes. Les patounes. Mesdames et messieurs, les patounes. Los patounos del fuegos. Ladies and gentlemen. Les patounes. Il faut gants ou armure. Ok, il reste encore les deux. Ok, il reste plus que l'armure, fuck. Ah, dommage, je pouvais pas aller le chercher, il était trop proche. Ceinture. Prépare Zeke. Dommage. C'est pas grave. C'était fou, gants ou armure quand même. Prépare une petite Camille là. De toute façon, il me manque juste Queen là. Il me manque Queen et j'ai mes 4 challenges, j'ai ma compo qui est complète au level 6 là. Je sais pas si on va réussir à regarder la streak quand même. Oh, chaud. Oh, pardon. Grâce à toi, je suis à rien du gold. Ah, GG. Grâce à quelle vidéo? Caitlyn, j'espère qu'elle va pas sniper Warwick. Elle va sniper Trinda, ça me va. En fait, plus le fight dure et plus Warwick envoie des coups de patoune rapide avec la Ginzu. Et donc plus j'ai de chance de gagner. Le problème c'est que Caitlyn va recaster et si elle casse sur le Warwick, je suis mort quoi. Oh la casse Caitlyn, oh la chatte. Oh les patounes. Les patounes le chat, les patounes. Pardon, c'est l'imitation des patounes. J'ai Queen. Est-ce que le vrai il passe level 6 là? Est-ce que le vrai gamer qui a des grosses couilles là comme ça là? Est-ce que le vrai là il passe level 6 et rentre la queen là? Non jamais. Par contre tu fais ça par contre je pense. Attendez on en parle de... Mais level 6 putain mais comment il peut en perdre autant de PV là? Donnez-moi le Yordle qui est level 4 s'il vous plaît. Please. Oh là là FF. Turbo FF. FF ma vie quoi. Il est à level 6 parce qu'il est en hyper roll, c'est pour ça. Moi je pouvais pas être en level 6 dans cette configuration là. Être level 6 c'était pas possible quoi. Pour moi. Bon y'a pas d'anti-heal mais bon. Je suis pas sûr que Warwick malgré les bons coups de patoune arrive à gagner le fight contre le Gnar 2 quand même hein. Malgré les coups de patoune d'exception. Malgré les coups de patoune absolument exceptionnels. Jamais une sortie aussi bonne pour jouer Warwick. Mais bon j'ai qu'un Warwick quoi. Ah GG Baku Go Fire. Félicitations mec. Ce Warwick qui me rassure de ouf là. Il me met dans une vraie zone de confort. Alors est-ce que... Ah. Est-ce que ce serait pas une Free Warwick? Une FW. Une FWW. Ce qu'on appelle la Free Warwick. La FWW Company. Je me méfie lui, il garde en Trinda lui, il a deux arcs et une armure. Faudrait armure ou gants. Je maintiens qu'il faudrait armure ou gants. FF. You never feel talky. Oh FF, alors turbo FF. Alors la turbo FF quoi. Oh. Mais genre turbo FF. Genre 100% FF. Le FF total et radical là. Double Zephyr Pog. Bon c'est Warmog hein, ça c'est Shojin sur elle à tous les coups ça. C'est quoi ce loot? J'avoue que... Je dirais qu'on a pas été réussi pour rester poli quoi.
Bon, les gros quand même que j'ai commencé la partie avec Arc, Baguette et Négatron quand même, hein. Genre 4 items sur 6. Et que au Golem et au Carrousel, j'en ai trouvé aucun. Genre j'étais à 4 items sur 6, c'est incroyable en vrai. N'a pas été récompensé là malheureusement. Et en plus on a le roll, le matchmaking avant les golems là. Mais bon. J'ai confiance dans mes rolls, on va trouver Warwick en seulement 2 rolls au level 6, le Warwick 2. Et après on va pouvoir commencer à slow roll, tel l'animal politique qui est en moi. L'animal politique qui sommeille en moi. Ah bah tiens, elle repasse cette musique. Voilà, oh Trinda, oh bah sympa ça. C'est bien sympathique Dolores, mais pardonnez-moi vos analyses politiques. Tra-la-la-ta-ta-tra-li, tra-li-la-la, tra-la-li-la-la. J'ai peur qu'un mec soit pour Warwick. Non, soit il est Irelia, tranquille. Salut Dodo la fripouille, bonne remontada. Ah bah la remontada commence bien. Malgré un top 8, mais le top 8, j'ai envie de dire que c'était quand même un concours de circonstances totalement circonstancielles, je dirais. Je dirais que c'est une conjonction de coordination, même je dirais. Bon, il a pas d'anti-heal le Malzahar, donc bon. Après, plus le combat dure, plus il a de dégâts avec l'archange. Salut Nelo TV, bonjour. Je viens de voir comment débuter TFT et GG, super bien expliqué. Ah, merci beaucoup. Vous irez voir la vidéo hein, que j'ai fait, le tuto pour débuter TFT, même si vous débutez pas TFT. Moi j'étais. C'est pas vraiment ce que je voulais faire à la base comme vidéo. J'ai vogué. N'hésitez pas à me faire des retours. Ça m'intéresse. Putain, est-ce que je chante le Relic de la Lumière pour un item Warwick? C'est soit fun, soit Relic de la Lumière. Le problème de Relic de la Lumière, c'est qu'il peut y avoir des items de merde, mais bon. Oh, j'ai envie de tenter la terrible Relic de la Lumière, quoi. Est-ce qu'on tente la terrible Relic de la Lumière, le chat? Après, la fun, c'est la valeur sûre. Oh, mais vous imaginez la terrible relique de la lumière là? Le terrible FF de la lumière. C'est bien Zeke? Ça donne du vol de vie, mais bon. Bon, c'est Zeke de toute façon. Hein. Est-ce que ce serait pas le FF de la lumière ça? Bon, le mana de départ. Hein, quoi. Franchement, si c'est pas le FF de la lumière, je m'y connais pas, franchement. Si c'est pas. J'adorerais une vidéo quand même genre mais pour Silver Gold pour les vannes, ça va, les vannes sinon les. Ouais, mais je me penche là-dessus en ce moment, honnêtement. Je suis sur ce dossier en ce moment. Ça m'aurait aidé de les voir quand j'ai commencé. Ok, très bien. En fait, j'aimerais en faire une à tous les sets. Parce qu'en vrai, le problème c'est que si t'envoies les gens sur celle d'un ancien set, ça sert à rien quoi, tu vois. Ils vont rien comprendre. Même si c'est les mêmes mécaniques. Genre, ça mindfuck trop quoi. Pas mal le Zeke quand même, hein. 50% d'attaque speed en plus. Avec les coups de patoun, ça va être sympa là, vous allez voir. Brought it back to you. Content de ton item. J'aurais préféré avoir une Titan, n'est-ce pas? Mais bon. C'est quelqu'un d'assez simple, moi, dans la vie de tous les jours. Donc je m'en contente très volontiers. Il y a 3 gants. Et 2 armures. Donc il y a 5 items sur 9 que je veux. C'est plutôt positif. Ok, il reste 5 items sur 7 que je veux. Il reste 6 items sur 7 que je veux. Donc je suis sûr d'avoir l'item que je veux. Par définition. Priorité gants, hein, si possible. Les amendements sont beaucoup trop pour une prismatique. Je suis assez d'accord, modulo 1 ou 2. Je pense que c'était plutôt fun, mais bon. Il se met plutôt bien celui-là. Attendez, j'arrive, je fermais la fenêtre de ma chambre parce que j'ai voulu aérer ma chambre aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'a pris. Oui, ça devait être l'odeur, c'est ça, je pense. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout dans ce Warwick là? Il y a tout dans ce Warwick, je reconnais. Hein. Ah, mais il y a Irelia en face. Double Titan. On
de la saloperie ce perso quand même. Pourquoi il a deux Irelia aussi celui? Pourquoi il a deux Irelia au level 6 celui? Qui m'explique? C'est le Boogie Wonderland là, je reconnais ça. On est d'accord que quand c'est les autres qui jouent à Irelia, elles font trop mal, et quand c'est nous qui jouons les Irelia, elles font 0 dégâts, on est d'accord ou pas? Parce que moi je fais une Irelia sans lame d'Arfénie, elle fait 0 dégâts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma théorie le chat? Warwick Wonderland! Faut comme sortir pour jouer Warwick. En vrai, ça. Et surtout des arcs. Genre, il faut Titan, Ginzo, QSS idéalement. Salut, Palou! Genre, je prends les douches, je me dégoûte. Mec, je me suis même lavé les dents ce matin. Incroyable. Genre, ce matin, je me suis lavé les dents en me levant, quoi. Elle se doit d'être un être humain, quoi. Le prends pas comme ça, Azoka, ça va bien se passer. Bon, allez! Par contre, ils viennent tout seuls les 3 costes dans cette game. Ça fait plaisir. Warwick Wonderland. Et il est avec Coca. Alors figurez-vous que je n'ai pas bu un seul soda depuis juin 2016. Ça commence à faire hein. Et mais même dans des... Je bois pas de cocktail avec des sodas tu vois donc même dans des cocktails ou quoi hein. Pas un seul quoi. Et principalement du Coca que je buvais en grande quantité avant. J'ai arrêté du jour au lendemain, je me suis dit j'arrête. Grande force de caractère ici. J'étais fier de moi quand j'ai arrêté. Et facile franchement, easy. Allo. J'aime bien Shaolin sur Queen, mais en fait j'aime bien cette fait Queen. Le problème c'est qu'elle a pas de. Bon, franchement, la team O c'est stylé en vrai pour le coup, honnêtement. Non, mais Queen c'est trop fort, elle va bien passer level 3, nique sa mère. Enfin, elle va bien passer level 2 au moins déjà. Genre Queen c'est trop insane en vrai. Par contre, j'ai pas de Titan. Team Crystalline, à moi, team Evian personnellement. En même temps, je suis né à Evian. Et j'ai vécu 18 ans à Thonon-les-Bains. Mais l'autre Thonon c'est FF l'autre Thonon. J'en ai pas trop l'autre Thonon. Souffle du sac. Spa supérieur. Spa c'est pas l'eau des Belges à la con là, Spa. La Spa. Je sais pas, en tout cas la Vittel et Volvic c'est dégueulasse, je vais en savoir. En vrai, je ne critique. Alors, la vérité, c'est que depuis que j'ai fait couler de l'eau dans les toilettes d'un camp de réfugiés à la frontière syrienne, je ne critiquerai plus jamais l'eau du robinet en France, quoi. Honnêtement, blague à part. Je pourrais mettre ça d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je garde la Camille depuis tout à l'heure, je suis un canard. Bon, je roll down au prochain fight là. La pyro c'est la Contrex. Ça n'a rien à voir, c'est de l'eau qui est. Enfin, c'est Contrex et pas entre guillemets. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est pas dans le même panier à mettre avec les autres, quoi, je veux dire. Mon avis en tout cas.
J'avoue que franchement, je préfère boire de la Contrex. Je préfère boire de l'Épark de la Contrex en vrai. La Contrex, c'est la pire de toute la Contrex. En termes de goût, je trouve. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Va falloir une armure quand même, un de ces quatre aussi là. Tu regardes Camille. Je pense qu'on va jouer Sitchal, je pense. Enfin, j'espère jouer Sitchal. Putain, c'est bien. Je sais pas, moi je suis trop habitué à les viands. Après, j'avoue que j'étais ultra réfractaire à l'eau du robinet. Parce que j'ai bu de l'eau en bouteille toute ma vie. Et genre, mes parents, ils ont mis genre il y a 2 ans un truc sous le robinet, alors je sais pas ce que c'est. Et genre, depuis l'eau, elle a genre plus aucun goût, tu vois. Genre, enfin, elle est genre grave, l'eau est grave bonne, tu vois. Genre. Donc en vrai, je crois que c'est la tech en vrai. Parce que moi, tu vois, je suis pas contre pas prendre des bouteilles en plastique, tu vois. Juste, je trouve l'eau du robinet dégueulasse, tu vois, j'y arrivais pas, quoi, tu vois. Mais genre, j'avoue, ce qu'ils ont mis mes parents chez moi, c'est archi stylé. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais genre, en vrai, ça me va nickel, quoi, tu vois. M'en fous pas plus, quoi. Bon, je prends ma guette, au pire, je prends double Ginza au pire, je crois. Sur Warwick, mais ça fait chier quand même. C'est un filtre, ouais, c'est une sorte de filtre. Merci beaucoup, Redcard, pour le sub. Merci beaucoup, mec. Oh, le prochain ça va pouvoir lancer la roue. Ça, c'est beau, ça. Bon, est-ce que je roll comme un canard ou pas là? J'ai rien de pas tomber à zéro pour deux Warwick, quoi, si possible. J'ai raté une queen. Ah là là, Redcard qui va pouvoir lancer la roue. Merci beaucoup Redcard. Juste après la game. Le nouveau cycle de la roue, vu qu'on vient de faire la roue à la méga roue juste avant. Non, franchement, l'endroit où j'ai vécu où l'eau était la meilleure, c'est à Marseille, l'eau du robinet. L'eau du robinet à Marseille, elle est grave ok. Merci beaucoup Starlord, merci beaucoup Starlord XV3. Ok, j'ai Union des Challengers pour booster un peu toute ma team. Ça c'est fine ça. Pourquoi il dit que j'ai pas la place alors que si je le prends ça fait Queen 2? Il fait chier quoi le jeu. Mais du coup, on joue pas Camille je pense du coup. Pourquoi il veut pas? Merci. Bon, je vais. Eh, salut mon Warsuke, comment vas-tu? Comment il va le camarade? Elle est restée de la roue, on est tombé sur le stream où je coach vos games en direct. En gros, le principe, c'est que vous allez pouvoir, à partir de demain, m'envoyer des replays de vos games que vous allez pouvoir enregistrer. Ceux qui savent pas du tout comment enregistrer, je vous donnerai une petite astuce. Et comment dire? Et moi je ferai un stream où genre je regarde vos replays et en disant ce qui est bien et ce qui est pas bien. Je remonte à 1000 LP pour être crédible là. Hier je suis un Victor 3 en ranked. Alors il faut pas forcément des games exceptionnels, il faut des games. Enfin les games que vous voulez, mais il faut des games lambda quoi, tu vois. Bon, plutôt les games où vous faites pas top 8 instant, c'est mieux, mais. C'est mieux. Mais bon, je vous expliquerai tout demain. Alors on est tombé dessus aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de préparer le truc, du coup forcément, vu qu'on vient de tomber dessus il y a 10 minutes là. Les Irelia se full 10 armes, mais bon. J'ai pas encore mes level 3 quoi. C'est la vie, c'est Léo. Alors, si je peux avoir une armure. Ce serait beaucoup mieux que si j'avais une Guinzo sur mon Warwick. Preach Titan. Ah, moi je preach là, comme tu dis. C'est la vie, c'est Léo. Non, mais deuxième Guinzo, ça va être nul à chier parce qu'il va être capé en attaque speed direct, mais bon. Je rappelle quand même que j'ai commencé la partie avec deux arcs et un gant. Hein. Et une baguette aussi. Je te jure que je vais RFC. Hein. Ça me trouve pas le cul, mais bon. Au moins, s'il y a des Yordles, ils vont taper avec les patounes. Casse les couilles, Mord Dog. Le Ridge.
Je sais pas ce que je vais rentrer là. Parce que j'ai pas eu de spade au final, ni de plus 1. Quand t'as ni spade ni plus 1, que ce soit Chemtech ou Challenger, c'est jamais évident de se positionner en late game quoi, je trouve. Allez mon Wewick, des coups de patoun, des grands coups de patoun sur ce bâtard de Lucian. Voilà, les patounes, les patounes. T'as eu 5 arcs dans la game. Beaucoup de cordes à mon arc. Allez, gaz et backlane, très bien. Genre le Sitcha, j'ai 3 Guinzo donc le Sitcha est vraiment power, je trouve. 3 baguettes, oui, mais j'ai 3 Guinzo, ouais. Mais ça vaut pas la première game du stream où j'ai fait 5 Titans dans la game et j'ai top 1. Elle sera sur YouTube ce soir. Une game recombobulateur. J'en dis pas plus. Si vous avez pas été là à 7h30 du matin, il y a une game exceptionnelle qui sort sur YouTube ce soir. Je ne vous spoile pas. À part qu'il y a eu 5 Titans, ça peut attiser votre curiosité, je pense, cette information. C'est la vie, c'est Léo. Il est sympa soir avec. En même temps, là, j'avoue que j'ai pas forcé, honnêtement. Quand tu forces pas, ça se passe beaucoup mieux quand même, hein, les games. Putain, mais c'est le stream des 5 top 1. Oh, j'adore cette musique. Angie. Peut-être Silco, non, en vrai, hein. Les failles vont tellement vite qu'il aura pas le temps de tuer toute la team, Silco. Est-ce que la table d'union des chests en joue 6? Agree, c'est pas terrible. Mais en général, au moment où tu le prends, tu sais pas que tu vas en jouer 6 quoi. Mais moi, c'est pour ça que je compte pas spécialement en jouer 6. Je suis one of Queen, one of Trinda. Allez Warwick, des coups de patoune! Des grands coups de patoune sur ces Jinx! Ah le con, putain, mais il peut pas se heal là, il a. Allez, allez, tap 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 tap, les patounes, les patounes, les patounes! Eh, mais il a le Morello sur la gueule là! Oh, c'est bon, il l'a plus, il l'a plus, il l'a plus! Les patounes! Oh non, là, oh le Zilean, c'est pas fair play ce qui s'est passé là, franchement! Non, vraiment, c'est pas fair play quoi! C'est pas fair play quoi! Angel! Y'a pas de Queen ou de Trinda? Non. Je demande la VAR! Franchement, vous en pensez quoi de Lille contre Chelsea ce soir? Est-ce que vous pensez que les Blues peuvent craquer avec l'histoire russe avec Abramovich? Est-ce qu'on y croit ou pas? On n'y croit pas du tout. Bon, ils ont quand même 2 buts à remonter quand même, c'est chaud. Moi, franchement, j'y crois de ouf. Hein. Je crois au craquage dans le football, moi, personnellement. J'en suis resté à la défaite parisienne. Un grand moment. Un grand moment du sport. Du sport. J'ai un peu la flemme, si j'ai une Camille, j'aurais bien. Bon, en fait, j'ai la flemme. Hein. J'ai rentré les 6 en fait, trop la flemme quoi. C'est pas très worth ça, parce que du coup, mon augmente Union des Challengers ne profite que à ses Juigny et Zach, mais bon. Flemme. Hein. Merci Alpaï. Avec la Guinzo, ça va très vite faire les 5 stacks, mais bon. Angel. Merci pour l'attente d'abonnement avec Twitch, mon cher Hellpie. Putain, j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle saison de Last Kingdom avec Outred de Beben Burke. Franchement, j'ai toujours dit que c'était ma série. C'est ma série nulle que je regarde ça. Cette série, The Last Kingdom sur Netflix avec des Vikings, je la trouve tellement nulle, mais j'aime bien la regarder. Genre, tu vois, par rapport aux 4 premières saisons de Vikings, c'est vraiment nul à chier, tu vois. Mais je sais pas, c'est mon plaisir coupable, je crois, cette série. Ah, Draven VIP, ouais, mais il sera jamais VIP activé, on s'en fout en soi. Pourtant, je vais gagner, faut pas déconner, non? Faudrait Queen 3 surtout, quand même. Ah, samedi!
Samedi, c'est. Moi, personnellement, samedi, je ne vis que pour le match. Hein. Samedi, on vend Jeanne d'Arc, samedi. Samedi soir, on vend Jeanne d'Arc, le chat. Bon bah troisième top 1, je vous dis que c'est la journée de la remontada aujourd'hui. C'était pas les cracks hein. C'est gni avec moins de budget en fait. Mais ouais j'aime bien regarder quand même, c'est bizarre mais j'aime bien regarder. Voilà. C'est mon péché mignon. Si j'ose dire. Parce qu'apparemment le Toulouse de Queen part sur Kai'Sa. Pour elle Kai'Sa est 1 et Queen c'est broken et je suis wall of de Queen 3 donc non. Je sais pas pourquoi avec son Titan ça marche. Non mais ma game s'est vraiment très bien passée donc dans l'absolu tout peut marcher quoi tu vois. Y'a pas de règle en vrai, quand t'as une game qui se passe bien y'a pas de règle. Y'a quoi samedi? Bon comment c'est y'a quoi samedi? Y'a le crunch! France-Angleterre! La finale du tournoi destination. Si on gagne on fait le grand chelem. Contre ces salopards d'anglais là. Le Zeke il se met pas mal dans ma game. Mon Warwick il met combien de temps pour monter à 5 d'attaque speed? Franchement, en à peu près 10 secondes de fight, il est capé au max d'attaque speed. Allez, 12 secondes de fight, il lui a fallu. C'est ça. 4 combattants avant je trouve Tam. J'avais Tam et j'ai roll, mais quand j'ai roll pour Tam, j'avais pas Vi. Je peux trouver. Et je trouvais Kai'Sa donc FF quoi. Pour aller 9, j'avais trouvé Queen ou Kai'Sa. Je crois que j'appuie les 9. Là j'abuse en vrai là. Là je pourrais rentrer Vi à la place de. Après 16 c'est donc limite mieux que Vi non? Ok ça. Bon j'ai pas de regret. It could be heaven or it could be hell. Pas mal cette Kai'Sa qui va avoir 10% de vol de vie en plus. Bon la Jolene est limite pas terrible. Ça va la faire casser trop vite par rapport au nombre d'attaque speed qu'elle fait mais. Bon, en vrai c'est pas plus mal. Sur le premier ulti, il aurait pu faire beaucoup plus quand même. Alors, genre, le geste est beaucoup mieux que Shojin par exemple, mais bon, je l'avais mis sur Draven déjà. C'est un opard d'anglais, c'est un oxymore, c'est vrai. She's got a Mercedes Benz. Ooh. Got a lot of pretty boy. She girlfriend. C'est vrai que maintenant je suis plus chaud pour enlever Camille Queen pour rentrer Calbrawler quoi. Mais bon. Parce que comme Queen n'est pas 3, elle est plus très useful en fin de partie. Et bon, Camille 1, one cost 1, c'est vraiment juste une synergie pote pas terrible quoi. Alors que si je peux avoir Temkin, je sais, je m'attends, c'est pas mal quoi, tu vois. Ça brande 4 brawlers et ça brande surtout en plus justicier quoi. Je crois que je gagne quoi que je fasse de toute façon, à mon avis. Hein. Pas se poser trop de questions, je pense. Hein. Allez, viens, vu Besto Baguette. Pléonas, peu pas Oxymore. Est-ce que c'est pas l'heure de faire une quatrième Ginzo là? Et ce match-là, j'ai pas vu. En vrai, mon union des challengers est tellement useless. En vrai, peu importe sur qui je mets, vu qu'il y a union des challengers, de toute façon, ils sont tous challengers. Bon. C'était une bonne game en tout cas. C'était une belle game. Pourquoi avoir arrêté Hearthstone? Bon, parce que je m'amusais plus sur TFT quand TFT est sorti. Simplement. Ok, il donne forcément le Trinda, ce qui va très bien en vrai. Et la remontada. Franchement, 3 top 1 déjà dans le stream. Non mais j'avais call hein. Franchement, je me suis couché tard pour regarder les replays de stream hier. Relax, c'est un nice man.
Na 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 na.